you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Notorious Jack pour une nouvelle vidéo sur Sir Purin en vadrouille. Salut, salut tout le monde, comment ça va? Voilà. Alors vas-y. Alors, Sir Purin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller recruter des servantes, et pas n'importe lesquelles, messieurs dames. Alors, ouais, on joue à Sexy Maiden Skyrim, Of Skyrim. Ouais, c'est ça. Skyrim ou Of Skyrim, je sais plus, mais enfin, c'est un truc dans le genre. Sexy Maid, je crois d'ailleurs, pas Maiden. Maid. Ouais, ça doit être Maid. Bref, de toute donc, façon... c'est des servantes. Je vous montre où on est sur la carte. Nous sommes voilà. Ici. Donc, visite... John Stead. Voilà. Et à ce qui paraît, les servantes sont ô combien sexy et vous savez comment Sir Purin est un chaud lapin. Voilà, il va être heureux Sir Purin, il va bander ce petit cochon. C'est clair. Alors, c'est clair. Attention, beaucoup de galères pour installer ce mode, vraiment beaucoup. Ouais, ouais, on en a eu pour plus d'une heure parce qu'il y a eu des bugs, il y a eu des incompatibilités, tout ça, tout ça. Et on n'est pas sûr qu'il n'y ait plus de bugs, ouais, attention. On n'est même pas sûr que là ça va marcher correctement parce que déjà ça a planté une fois en arrivant jusqu'ici. Donc on va aller voir. Voilà, voilà. Croisons les doigts. Croisons les doigts et tout ce qu'on peut croiser. Tout. Tout, tout, tout. Je vais faire un nœud avec ma bite. Ne bougez pas. Ah ! Voilà, c'est fait. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça pique. Je vais juste augmenter le niveau de Sir Purin. Par contre, je devrais peut-être mettre quand même un petit peu de son. De son parce que nous, on n'entend rien malheureusement. Vous, vous entendrez. Mais... alors. Épaisse. Je teste avec mon sabre laser. Test, 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 voilà. C'est nickel. Voyons, voyons. Donc où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Regarde en haut si c'est ouvert ou pas. Non, c'est une grotte, d'accord. Alors déjà, bon point positif, c'est dans une grotte et il a fait en sorte que ce soit une grotte. Escalier des deux côtés, ça a l'air d'être relativement des sources chaudes. Oui, c'est très bon ça. Et moi, je veux pas voir un mec, moi. Non, non, mais attends, ça doit être le propriétaire. Bonjour, Walsh. Bonjour, Walsh. Tu as deux yeux de couleurs différentes, non? Non, c'est juste le reflet, ouais. Alors, vas-y. Welcome to Johnstead, stranger. Bienvenue à Johnstead. Oh, étranger, wow. Toi et ton niveau d'anglais. C'était très dur à traduire. Il y aura des trucs que je galérerai plus, donc... Quel est cet endroit? Donc, une ville souterraine. D'accord. Loin des problèmes, j'ai pas le temps de lire. I am not interested in caring for adventures. D'accord, donc il s'intéresse pas à bord de ciel et tout ça. Vous aurez le temps de lire, mais nous, c'est vrai que là, ça va être un peu galère c'est si vrai, ça va à vrai. Cette vitesse. Is there anything worth looking into? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir? Pas vraiment, normalement. Une building. Les nouveaux sont intéressés à construire un bâtiment ici. D'accord. Donc oui. Marcus Pinder, d'accord. On va aller voir Marcus Pinder. Who are you? Qui es-tu, mon enfant? D'accord. I'm Walsh, co-founder of Johnstead alongside Marcus. Ok. D'accord. Donc il a bâti cette ville avec son pote Marcus, apparemment. Johnstead History. Il y a 10 ans, Marcus... D'accord. Donc voilà. Chercher de l'aide pour construire une ville souterraine. Mmh. Mmh. Ça va un peu vite. Hein. Ouais. Mais bon. J'ai pas le temps de traduire les trucs à chaque fois. Mais bon, c'est pour nos viewers qui parlent bien entendu couramment anglais, il n'y aura qu'un problème. La plupart, je pense. Enfin, je sais pas en fait. Peut-être la moitié, on va dire plutôt. La moitié des viewers seront traduits. Bien sûr. Et puis l'autre moitié, ils ont qu'à contacter la deuxième moitié, et puis voilà.
Ou alors il faudrait que je prenne le temps de faire des sous-titres, mais bon, c'est déjà tellement long de faire des vidéos comme ça. Ouais. Je sais pas si je le ferai. Hein. Déjà, alors, je l'ai pas fait pour Elsewhere. Ouais, c'est clair. C'est pas grave. Hein. C'est... Alors vas-y, les Jonestead Citizens. Voilà, les citoyens Jonestead. De... Jonestead, ouais. D'accord, donc ils me demandent de leur poser des questions directement à chacun. D'accord, donc ils sont tous très ouverts apparemment, très ouverts d'esprit, prêts à discuter avec nous. Est-ce que les filles sont très ouvertes? C'était la question. Il y a des chances, hein, vu le nom du mode. Weapons policy, donc il y a une politique par rapport aux armes. D'accord. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il avait dit que cet endroit n'était pas fait pour moi si je devais utiliser mes armes ou je sais pas trop quoi. D'accord. Alors explique-moi, mon grand. Vas-y. Ouais, c'est ça. D'accord. Il veut que ce soit un endroit un paradis, paisible. Ouais, ouais. Ok. Oh, c'est pas plus mal des fois avec ces purins qui tape pas sur tout le monde. Il a envie de niquer en plus, donc. Ah ouais, il va falloir qu'il soit un petit peu plus pacifique. Ah bah s'il y a des femmes, il va être pacifique, hein, le connaissant. Ou alors il viole. Oui, aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Sir Purin est assez. Allez, go. Donc vous remarquerez que ces ponts sont totalement inventés. Ouais. Les marches aussi. Et là-bas aussi, ça a l'air de. Le bâtiment, bah déjà, rien que ça, là. Ouais. C'est le puits. Magnifique. Ouais, franchement, c'est très beau. Ça fait. Oh là. Donne-moi un poisson. D'accord, il y a du poisson. C'est intéressant. Oh. Ah. C'est méchant, pareil. Qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Ouais. Ah, les bâtiments sont très. Très jolis. Complètement inventé. Ouais, ouais, ouais. Les architectures ne sont. Ce type d'architecture n'existe pas dans Bord de Ciel. Ouais. La maison de Danda, c'était ça? Ouais. Lui, ça doit être Danda, je suppose. Ah, ville. Ah, d'accord. En fait, c'est le nom de famille, Danda. La maison d'accord. des Danda. En fait. D'accord. Okay. Warm welcome to you. Ah. Need assistance? On a un doublage pour ce mec. Ouais. Who are you? Name's Vilan Danda. If you're looking for any books to read, feel free to stop by my wife and I's house. Mm-hmm. Il écrit des livres. Voilà. Il est écrivain. Il écrit ou il collectionne du moins, parce qu'il a dit que je pouvais lire des livres. C'est peut-être une bibliothèque en fait ici. Enfin, il sert de sa maison comme bibliothèque. On va voir. Peut-être. Feel free to take any that you wish to read, but please bring them back when you're finished. Ouais, d'accord. Tu peux. Ouais, ça, à mon avis, c'est ses propres livres et tu peux les ranger si. D'accord. Et il y a pas mal de livres. C'est bon ça. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que des fois, c'est vrai que, par exemple, que ce soit la bio de Barandia ou de n'importe quoi, ou la danse du feu, voilà, par exemple, voilà. Le chant du retour, tout ça, on a le volume, on n'a pas forcément tous les volumes. Des fois, ils sont durs à trouver tous. Ouais, ouais, et ouais. Moi, j'ai pas envie de lire un bouquin, enfin, une série de bouquins. T'es comme moi. J'ai pas toute la collection. Donc ça, c'est des livres de compétences. J'aimerais bien voir sa femme. Pour voir si elle est belle. Alors déjà il y a un homme. Non, ça c'est pour sortir. Est-ce que c'est le même statue de Isgrimor. D'accord. Alors double même. Ok. Double. Ouais, c'est le même. C'est lui. Okay. Il a été faire la cuisine. Pour sa femme, sûrement. Ouais. Oh, une bourse. Elle est où ta meuf? Elle est où ta femme? Oui, mais il y avait une bourse d'or, mon ami. Ouais. Où ça? Sur la... Là. Ok. Ah bah, c'est même pas un vol. Bah écoute. Hein. Ils sont très ouverts. Sir Purin, avoir envie de baiser ta femme. Pas de problème. Ils sont tellement pacifiques, tu sais. Pas le problème, je peux t'aider si tu veux. Si tu veux, j'ai des avis pour toi, pas de soucis. Et je t'en couvrirai. Ça, en fait, c'est une communauté hippie. Bon bah je pense sa femme doit sûrement se promener hein, écoute. Ça se trouve ils sont dans les bains douches hein. Bah ouais peut-être. On continue par là. Ouais allez. Ça doit être la maison. Ouais c'est encore la même. Apparemment il y a un chemin par ici. Il y a pas mal de brume. Ouais. Alors ça c'est leur petit champ. Ils ont des vaches. Putain et je sais pas comment ça fonctionne ici. C'est moi ou t'as un rat? Non, bah il veut pas t'attaquer.
Oui, t'as peut-être pas dessus. Ah oui, je me souviens de ça. Donc c'est ça, c'est avec, ça se rajoute avec le Monster Mode qui rajoute plusieurs créatures, une centaine. Hein. Ouais, ouais. Ces créatures-là sont pacifiques, mais si tu les frappes, elles t'attaquent. Et elles sont surpuissantes. D'accord. Je me souviens, j'en avais attaqué une, j'avais complètement regretté. J'étais obligé de m'enfuir, comme un lâche. Bonjour. Maud, mad at all. In need of some fresh goods, friend. Alors, who are you? Mad at all. C'est sa ferme. My farm here in town. That's all I care about. A nice, peaceful life. It's all I ever Une très jolie ferme. Il est très heureux d'avoir une vie paisible et tranquille. Ouais. Tu tiens la ferme. Vous tenez cette ferme tout seul. Yes, it isn't tiring really. C'est pas si fatigant. I did have help from a young Nord. Il n'y a pas besoin d'aide de jeune nordique. Ouais. He left to join the storm. Ah non. Il a eu l'aide. Il a obtenu. Il a été aidé à la. Ah d'accord. Par un nordique qui a rejoint les sombrages. D'accord. They are all sent to the warehouse anyway. D'accord. Ok. Goodbye, friend. Goodbye. Très poli. Les Khajiits sont souvent polis. Je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai. Une meumeuse, des jolis chants. Oh bah y a rien de plus. Hein. À part la porte. On va aller voir par là. Hein. C'est toujours le Khajiit. Oui. Il est parti se promener. C'est sa maison. C'est sa maison, d'accord. Qui est ouverte, donc qui ne regrette pas les voleurs, c'est bon, c'est regarde, voilà, tu peux tout prendre. Un œuf. Une poêle. Un Sir Purin qui embête le monde, bien entendu. Voilà. Ça sert à rien. Il est content, ça le fait rire, comme un débile. Ça doit être l'entrepôt où des poules. Où il pose son foin pour l'hiver. Ça doit puer chez lui. Putain, il dort là en plus. Oh, ouais, oh. Ouais. Bah, à côté de ces animaux, tu sais que au Moyen-Âge, les fermiers dormaient avec leurs animaux. Hein, ah ouais, non, il y a un. C'est peut-être aussi. Pour son fermier, enfin, pour le jeune nordique, vu qu'il est habitué, vu qu'il se lave pas vraiment les nordiques en plus. Ouais, enfin, putain, tu m'étonnes qu'il a rejoint les sombrages. Oui, bah voilà. La merde de poule, ça sent pas bon, je peux te le dire. Hein. C'est clair. On a un poulailler chez nous. Ouais, c'est clair. Enfin, bref. Toujours la petite créature. Tant que tu l'emmerdes pas, il t'emmerde pas. Eh ben écoute, tant mieux. Hein. Ah, première femme. Ah, raté. Oh, et oh. Attends-moi. Hein. Gidev House. La famille Gidev. Allez. Non, c'est pas une fille. On s'est fait arnaquer, je crois. Je regarde juste vite fait. Ah, peut-être que si, de dos. Hein. Alors, who are you? C'est un poissonnier, voilà. Travelot, d'accord, sympa. Est-ce que tu as un conseil, ouais. Vieil homme? Ne pas faire confiance à ses supérieurs. Ouais. Parce qu'ils sont égoïstes. D'accord. Ça va vite. Ouais. J'ai pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. En français, il pourrait être pas mal, le web. Peut-être qu'il sera traduit. Peut-être. Si je savais comment traduire les modes, peut-être que j'en traduirais quelques-uns. Ça pourrait être sympa. C'est vrai. Surtout que bon, niveau traduction, je me débrouille très bien. C'est juste que là, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de me concentrer sur le truc. Alors, j'ai guidé. Mais si j'ai le texte bien en face de moi et que j'ai le temps, quoi, de vraiment me plonger dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Je traduis très bien les textes. Qu'est-ce que c'est non, ça, on peut pas y aller. On pourrait trouver Marcus Binder. À mon avis, il doit être, tu sais, à la fontaine, t'avais un chemin, t'avais pris à droite, je crois. Ouais. Et là, faut que tu prennes à gauche ou. Ouais, à gauche. C'est là-bas, là. Ouais, voilà. De ce côté-là.
Yeah. Et voilà, il y a le marqueur. Alors là, on a encore deux chemins. On va suivre le marqueur peut-être. On va faire le mode. Oh putain, c'est grand, hein. T'as des jolis... Ouais, c'est vrai qu'il est grand. Non, c'est peut-être pas là. Hein. T'es sûr? Ouais. Les jumeaux Bosmer. On va aller voir quand même. D'accord. Jumeaux ou jumelles, peut-être. Peut-être. Attention. Des petites elfes. Sir Purin, il kiffe bien les petites elfes. Ah, ça. De toute façon, Sir Purin, du moment que t'as une chatte, lui, il kiffe. Ah bah, attends. Dès que c'est un minou, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Il doit kiffer doublement les Kaji. Bien sûr. Les jeux de mots, tu sais. Jeux de mots à deux balles. Bon, je vais les voir ici quand même. Ouais, histoire de dire. Je suis curieux. Qu'est-ce que c'est ? Zunza. Zunza. Quelle espèce ? Voyons voir. Argonien, peut-être ? Peut-être. Grande chance. Non. Non, c'est vide, hein. Je sais pas où ils sont tous, mais. Ouais, ils sont peut-être en train de travailler, hein, qui sait. Oh le chien. Ah. Il va te bouffer, fais gaffe. En fait, c'est le dessert de l'argonien, si c'est un argonien. Alors, tout droit, direction plein nord. J'ai toujours en TGM, je crois d'ailleurs. Faudrait que j'en aille. Ah ouais, il faut passer par la porte en pierre. Sûrement, ouais. J'enlève juste le TGM, par contre. Ouais, bah de toute façon, t'auras pas des masses besoin. Ouais, c'était juste histoire d'avoir le sprint infini pour pas perdre de temps en off tout à l'heure.